Bonjour. La JT cette semaine était en direct du festival de Coke. De Cannes. Le meilleur de l'ANINFO a eu une magnifique ouverture et a mis un point d'honneur à mettre d'abord en avant les films hors conrote, compète, hors compétition, comme le magnifique chef-d'œuvre d'Emmanuel Berco. La tête haute, qui est un film vraiment émouvant, mettant en avant de nouvelles bobines, comme Rod Parado dans le premier rôle, ou Ludovic Bertillot dans le dernier. Oui, enfin, mais pas des moindres. Bah, se faire mettre une raclée sans broncher, c'est sexy demain. Tout aurait pu se dérouler comme prévu sur le tapis rouge si notre héroïne, Catherine Deneuve, n'avait pas ouvert sa gueule, déclarant « Oui, je trouve ça très bien qu'on ait tourné à Dunkerque. » Une ville qui n'a que très peu d'activités, si ce n'est le tabac et l'alcool. Alors que nous, à Cannes, on a de belles montées et de bonnes descentes. Et pas que. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, tu ferais du bien à la France. Putain, c'est génial. Bah oui, Patoche. Du coup, Catherine Deneuve, elle s'est mise tout Dunkerque à dos. Comme quoi, on peut monter les marches, la tête haute, et repartir la queue basse. Festival de Cannes, toujours, avec la projection de sperme. Enfin, du long et sulfureux love de Gaspard Noé. La presse aura su apprécier à sa juste valeur cette gigantesque éjaculation faciale sur grand écran du jamais vu et dans ta gueule. Et ben voilà, un film d'amour dégoulinant comme on les aime dans le vrai sens du sperme. Conclusion. Festival de Cannes 2015. Sophie Marceau aura été culottée. Mais la palme revient à Gaspard Noé. Hein ? Quoi ? Oh bah non ! La palme, c'est à la natation ! Et puis c'est tout ! Ok, Philippe, tu l'as gagné ton plongeon dans le saladier. Quant à moi, je voudrais vraiment remercier Emmanuel Berco pour tous ses frissons, Vincent Lindon, Stéphane Brizet, Jacques Audiard, et vive la France ! Et vive l'arrêt pudique ! Voilà, c'était l'agité de la semaine. Le meilleur de l'ANINFO en direct du 68e Festival de Cannes. N'oubliez pas, l'année prochaine, c'est le 69. Allez, je vous lèche. Shut up.